Il était une fois dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Bien que la ville est comblée de tous ses bienfaits, le prince était un homme capricieux, égoïste et insensé. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince ricana de son modeste présent et chassa la vieille femme. Elle tenta de lui faire entendre qu'il ne fallait jamais se fier aux apparences et que la vraie beauté venait du cœur. Lorsqu'il la repoussa pour la seconde fois, la hideuse apparition se métamorphosa sous ses yeux en une créature enchanteresse. Le prince essaya de se faire pardonner, mais il était trop tard car elle avait compris la sécheresse de ce cœur déserté par l'amour. En punition, elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château ainsi que sur tous ses occupants. Horrifiée par son aspect effroyable, la bête se terra au fond de son château avec pour seule fenêtre sur le monde extérieur un miroir magique. La rose qui lui avait été offerte était une rose enchantée qui ne flétrirait qu'au jour de son 21e anniversaire. Avant la chute du dernier pétale de la fleur magique, le prince devrait aimer une femme et s'en faire aimer en retour pour briser le charme. Dans le cas contraire, il se verrait condamné à garder l'apparence d'un monstre pour l'éternité. Plus les années passaient, et plus le prince perdait tout espoir d'échapper à cette malédiction. Car en réalité, qui pourrait un jour aimer une bête? Incroyable de tous les temps pour célébrer la magie de Noël. Vous avez bien raison, monsieur Gaspard. Oui, bien raison. Oh, mais dites-moi, mademoiselle Angèle, vous êtes très joliment habillée. Vous me rappelez quelqu'un, mais qui? Bah, voyons, monsieur Gaspard, mon personnage préféré de cette histoire. Vraiment, je ne vois pas. Et vous aussi, d'ailleurs. Je crois avoir trouvé votre source d'inspiration. Mes amis, bienvenue dans le monde de la belle et la bête. On est
ce prince de petite parade. Personne n'a jamais été un garçon. À l'instant même où je l'ai vu, ingénue, je suis tombé amoureux d'elle. Elle est la seule ici-bas que je trouve digne de moi, et je compte bien épouser cette demoiselle. Personne n'a un coup de tour comme Gaston. Je ne sais pas, les biceps en papier. Au concours de crachat, personne crache comme Gaston. Je suis vraiment très doué en expectoration. J'étais petit, je mangeais 4 douzaines d'œufs pour être fort, pour me sentir à l'aise. Maintenant que je suis grand, j'en avale 49. C'est pour ça que je suis le roi des paresses. Très bien, mademoiselle Angèle. Mais alors attention, que fait-on tous ensemble à Noël? On fait la fête. Exactement. Qui dit Noël dit c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête,
Bravo! Exceptionnel! Oh, bravo, mes amis! Merveilleux, quelle fête, monsieur Gaspard! Enfin, quelle fête! Il ne faut pas oublier qu'au début de cette histoire, cela n'a pas été facile pour Belle. Oh, c'est bien vrai, mademoiselle Angèle. La bête en était d'ailleurs très contrariée. Heureusement, le temps a bien fait les choses. Oui, la magie de chaque instant a changé l'histoire. Chaque petit moment magique et simple comme par exemple... Oui. Oh tiens, par exemple, prendre plaisir à lire un bon livre. Oui, ou alors décorer le sapin tous ensemble. Oh, s'installer et déguster un chocolat chaud au coin du feu avec des marshmallows. Oh, attendez, je sais. Ouvrir les cadeaux en espérant que l'on a été bien sage tout au long de l'année. Oui. Profitons de la magie du moment présent. Oui, car c'est ainsi que l'on peut faire de chaque petit instant une histoire éternelle.